Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AC Odyssey. On est parti pour la suite de l'aventure avec Cassandra qui est sur son beau cheval. Voilà, regardez cette prestance incroyable. On était en train de faire des quêtes secondaires pour gagner quelques levels. On est actuellement level 3, bientôt level 4. Nous allons continuer cette fois-ci les quêtes principales. On va devoir aller parler à Marcos. Voilà, donc allons-y. C'est à 300 mètres, pas très loin. Et il y a des gardes qui viennent me faire chier. On s'en fout, on les ignore. Donc j'ai débloqué également une belle lance. Je me suis pas encore combattu avec. Donc on va pouvoir tester ça dans quelques instants. Allons-y. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est formidable. Alors je vais essayer peut-être de sortir plus d'épisodes d'AC. Alors vous inquiétez pas, ça va pas empiéter sur les autres vidéos. J'hésite à sortir 2 vidéos par jour. Je sais que c'est actuellement très compliqué parce qu'en plus je sors derrière d'autres vidéos indées. Donc je verrai, j'y réfléchis. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours 1 vidéo par jour sur AC Odyssey. Ça ne changera rien. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Laisse-moi tranquille. Oh là là, il y a plein de loups. Oh mon dieu. Alors là, on va devoir esquiver parce que... attention. Dégage le loup. Dégage le loup. Oh là là, on peut mettre des gros coups avec la lance. Yes. Ah bah voilà. Ah, excusez-moi, tu es 25 animaux prédateurs. C'est un haut fait, j'ai pas encore fait. Donc on a peau de loup, viande crue, cuir souple. Très bien. C'est bon? Let's go. Salut Marcos. Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. Le cyclope est plus important qu'une factrice d'arc. Il faut qu'on parle. Allez, on y va. C'est exactement ce que je me disais. Espérons que Drusilla a le sens de l'humour. Alors, ton plan? Oui. Le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Ouais, cette querelle est grotesque. C'est pas une guerre, c'est un concours de phallus. Pourquoi me rabaisses-tu sans cesse, Cassandra? Parce que tu me saoules. Parce que tu le mérites, voilà tout. Oh mon dieu. Réfléchis, à quoi le cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes? Et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Qui va vouloir acheter un œil? Et s'il bouge, obsidienne. Je lui ferai perdre les 2 yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. Petite mission d'infiltration, du coup, pendant la nuit. J'aime beaucoup les missions d'infiltration parce que on peut faire pas mal de choses, en fait. On peut jeter des objets, on peut siffler, on peut utiliser l'arc pour tuer les ennemis à distance. On peut également tuer les ennemis au corps à corps. Donc, c'est cool, les missions d'infiltration. Surtout que les missions au corps à corps... Je me débrouille un peu moins bien. Les combats, j'ai toujours du mal à réagir au bon moment. Donc ça me plaît, moi, les missions d'infiltration, j'aime beaucoup. Donc combien vaut cet œil? Non, on s'en fout. Où habite le cyclope? Moi, je m'en fous de l'œil. Où habite le cyclope? Reste sur la côte ouest de l'île. D'accord. Tu trouveras son repère. Ah, on avait dit qu'on essaierait de pas poser de questions pour voir ce qui se passe. Bon, tant pis. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Cassandra? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Ok. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Donc là, il faut vraiment être, par contre... comment dire? Faut vraiment pas se faire repérer, en fait. Donc c'est vraiment une mission full infiltration. Si on se fait repérer, on va perdre la mission et on pourra pas se battre, je pense. Il doit être caché. Alors, le cyclope vit à Kefalonia. Sa maison est à l'ouest de la vallée maudite de Pali. L'œil doit être dans l'antre du cyclope. Très bien. Bon, on récupère son œil de merde, on lui donne et j'espère qu'après ce sera fini tout ça. Est-ce
que Marcos, t'es bien gentil, tu m'as récupéré quand j'étais plus jeune, mais je pense que maintenant c'est terminé quoi. Je te vois. C'est terminé. Je te vois. Nous voyons l'œil, mais lui ne nous voit pas. Eh, mystère et boule de gomme. Alors, on descend. Alors attendez. Ah mais non, on doit quand même. Alors on doit tuer le chef des brigands et piller les trésors. On n'est pas obligé, mais on va essayer de le faire. Alors, ici, on a des gens. Comment on... Voilà. Des ennemis ici. Alors est-ce qu'il y a des ennemis autre part? Là-bas. On va essayer d'en marquer le plus possible. On pourra pas tout marquer de toute façon. Il y a des ennemis là. Là-bas. C'est pas le chef là-bas? Entre du cyclope. Mais l'entre du cyclope est par là alors que l'œil est ici. C'est bizarre. Très bien. Bon, j'ai pas marqué tout le monde. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Je dois me cacher. Allez. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Je peux le tuer d'ici, à votre avis? On va éviter de sauter. On va descendre par là. Allez, let's go. Je peux le tuer facilement. Il a l'air d'avoir qu'un œil. Qu'un garde. Spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. J'adore sauter sur les ennemis et les assassiner en hauteur. C'est tellement la marque des assassins, ça. Quoi? On peut récupérer quoi là? Démontage d'équipements inutilisés. Vous transportez de l'équipement des objets inutilisés. Démontez-les pour récupérer des matériaux. Ah, donc ça, il faut le faire immédiatement. Inventaire. Ça par contre, l'épée de bois ordinaire. Je pense qu'il faut aller voir un forgeron. Bon, je sais pas. C'est pas grave. Alors, l'œil est ici. Donc on va devoir entrer quelque part. Est-ce qu'on peut entrer par le haut? J'ai pas l'impression. Ok, bah on entre par là directement. Bah écoutez, plutôt simple d'entrer dans cette baraque. Rien de bien compliqué. Quoique l'œil est derrière, donc ça voudrait dire que... Ah, je peux pas passer par là. Ouais, non, je retire ce que j'ai dit, en fait. Ça peut être très compliqué parce qu'il y a pas mal de monde. Ok, faut passer par ici. Je vais devoir tuer cette personne d'abord. Merde, il y a tellement de gardes, mais il y a 3 gardes, en fait. C'est plus compliqué que ce que je pensais. On va essayer de siffler, peut-être. Non, lui, je peux le tuer. On va même pas utiliser l'arc, hein. Ok, go. Ils m'ont pas vu. Tiens. Voilà. Et en plus on atteint le niveau 4. Et l'autre? Mais l'autre s'en bat les couilles. Non. Oh non, on m'a vu. C'est pas grave, j'ai l'œil. C'est pas grave, je m'en fous, j'ai l'œil. Ils savent pas où je suis. Ils savent pas où je suis. Il m'a vu, mais ils savent pas où je suis. Donc on pouvait se faire repérer, hein, finalement. Ils savent pas que je suis là. Ils savent pas, je vous l'ai dit, regardez. Regardez, ils sont débiles. L'œil a disparu. Ils disent, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Oh non. Non, cassez-vous. Allez-vous-en, voilà, on s'en va. Je vais essayer de le tuer, lui. Oh, si j'arrive à le tuer. Non. Non, dommage, j'étais à côté. C'est pas grave. Allez, on esquive. Alors il y a du monde là, hein. Si on arrive à tuer le chef directement, ce serait cool. Yes. Non, c'est pas ça que je veux faire. Vous inquiétez pas, ça le faire. Alors c'est assez compliqué avec la lance parce qu'on peut pas se protéger du coup. Mais ça fait très mal. Et ça c'est cool. On va tuer les autres avec les flèches. Dans ta tête mon ami. Toi aussi. Non, t'enfuis pas. Alors attends, reste ici. Ah mais il se cache. Vas-y, montre-toi. Ouais, c'est pas facile. Ah mais c'est de cette façon qu'on contrôle la flèche. J'avais pas compris en fait, excusez-moi les potes. Ah j'ai pas trop compris comment utiliser le système. J'y arriverai mieux après. Ah, il y a beaucoup de gardes. Évitez de mourir, ce serait dommage. Non, les meurs. Allez. Alors je vais essayer de réutiliser du coup. Alors il faut appuyer sur A, ensuite je lâche. Je comprends pas trop, on va dire. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de s'entraîner plus tard. Très bien, et eh bah écoutez, c'est bon. On va monter, on va se barrer. Phobos indisponible, ouais, je comprends bien.
Allez, on se casse. Je vais essayer de réutiliser la flèche. Alors, attendez, on va retester. Là, il y a un ennemi là. Ou alors sur n'importe qui, je sais pas. Il y a pas des ennemis un peu plus loin? Tiens, là, il y a un ennemi en bas. Non, c'est pas un ennemi ça. Ça m'a pas l'air, je sais pas, on dirait un. Quelqu'un qui est emprisonné. Non, je comprends pas. Ah, j'ai tué le chien. C'est pas ce que je voulais faire, je m'excuse auprès de 30 millions d'amis. C'était vraiment pas voulu. En fait, j'appuie sur A. Voilà, bon, là j'ai plus les compétences. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. En vrai, c'est bon. J'ai pas besoin de contrôler les flèches. Je sais tellement bien viser que je vise directement dans la tête de l'ennemi. C'est pas vrai à tous les coups, mais ça arrive. Très bien, et bah écoutez, c'était cool cette mission. C'était cool. On a gagné un point de compétence du coup, vu qu'on a gagné un level. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Est-ce qu'on continue dans l'arbre de talent guerrier? Qu'est-ce qu'on a, assassin? Dégâts d'assassinat et de perte de conscience accrue de 20%. Donc ça nous permet de tuer de plus gros gardes du coup. Arme de corps à corps et flèche ordinaire inflige des dégâts toxiques pendant 15 secondes. Ok. Invocation de la vie d'Athéna pour relever tous les secrets, y compris les coffres et les passages secrets. Ouais. Non, ça me plaît bien, les dégâts d'assassinat accrus. On peut même assommer les gardes. Ouais, ça me plaît bien. Allez, on y va. Allez, let's go. Retournons voir Marcos. Et il a vraiment intérêt. Mais ça va pas se terminer puisqu'ensuite on va devoir aller tuer le cyclope. Hein. Je sais ce qui va se passer, hein, forcément. Le cyclope, c'est un ennemi, donc au bout d'un moment on va devoir le tuer. Mais j'aimerais bien qu'il me laisse tranquille et que j'ai plus affaire à lui à l'avenir. C'est cool quoi. Comment je l'ai bousculé? Dégage! Allez, tiens ton œil. Hey, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, ma chère. Ah ouais? Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça! On s'est bien amusé, non? Mais il est sérieux? Mais je vais te maraver la gueule, mon gars, je te le dis. Tu trouves ça amusant? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Parce que tu m'as déjà menti plusieurs fois, peut-être? Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quere, Marcos. Quere. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et on doit replier un bateau. Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les fait bien. Ouais, mais je garderai l'argent pour moi, en fait. Donc, tout le monde va y gagner. Pas de souci. Tu verras. Pourquoi pas? Ah là là. Qu'est-ce que j'ai à perdre? La vie. Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon. Où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches. Alors la côte Est. On va essayer directement d'y dire oui, j'y vais. Bon, je garde un peu de ces trésors. Sans poser de questions moi. Pour voir si on a le lieu du coup qui c'est est indiqué sur la carte. Rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Ben c'est cool ça pour attirer du monde. Franchement, c'est parfait. C'est parfait pour attirer des touristes. Hein. Tuer ou être tué, si c'est vraiment la devise de cette île, ben écoutez, vous allez pas avoir grand monde qui... Que vont me dire? Après, je pense que vous en foutez un peu. Alors du coup, là, on n'a pas l'info. Attendez, on va regarder la carte. Donc on doit aller vers l'est. Ah ouais, regardez, vu qu'on lui a pas posé de questions, on n'a pas l'air d'avoir d'infos. Ou alors faut sélectionner la quête. Eh ben non, en fait, quoi qu'il arrive. Ah ok, donc en fait on a l'endroit à peu près, mais on n'a pas exactement l'endroit. Ouais, ben on sait que c'est sur la côte, donc ce sera exactement là.
Ouais, bon, si tu poses pas de questions, c'est quand même vachement guidé. On sait à peu près où se diriger. C'est juste qu'on n'a pas l'endroit exact. Mais c'est bon, c'est un peu simple, quoi. Là, j'ai vraiment pas mis le mode exploration parce que c'est pour un let's play et j'ai pas envie non plus qu'on cherche pendant à chaque fois 5-10 minutes pour chaque quête. Mais je pense que le mieux, c'est de mettre le mode exploration quand vous jouez tranquillement chez vous. La maison abandonnée. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui jouent au jeu en regardant mes vidéos, ça m'étonnerait. Eh bien, écoutez, c'est là-bas. Trouvez et tuez les nouveaux venus. Ah, le cyclope, il va beaucoup m'aimer, hein, il va beaucoup m'apprécier. C'est cool. On peut s'arrêter tout. C'est des gardes, ça, ou pas, hein? Ah merde, c'est des gardes. Y'a quelqu'un ici? Non. Non, y'a personne. Tu mens. Tout ça, c'est des gardes? Je vais devoir faire très attention par ici. Il sait pas où je suis. Il sait pas où je suis. Il sait pas. Est-ce qu'on siffle? Attendez. Bon, là ils m'ont vu par contre. Là par contre ils m'ont vu. C'est pas grave. Ok, en fait faut juste appuyer sur A quand on tire. C'est très simple. Oulala, lui il est full vénère lui. Il a l'air d'être grave solide. Allez! Mais dégage dans l'eau toi! J'aime beaucoup les décors en fait. C'est mieux que le désert hein, en vrai. Hein. La Grèce antique. Je préfère la Grèce antique que. Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je disais que je préfère la Grèce antique que l'Égypte antique. Même si l'Égypte antique, c'est vraiment cool. Allez, mais il est tellement solide. Non! Je reste au sol. Finish him! Bon, t'as planté ta lance à côté, en vrai. T'as très bien visé. Très bien. Et en plus, il était le même level que moi, mais ça doit être un garde un peu plus solide, j'ai l'impression. Alors, j'avais pas compris que c'était des gardes, en fait, je suis désolé. Hein. Il y en a d'autres, du coup, certainement. Il y en a un là. Oh, il y a l'air d'en avoir qu'un. Peut-être un autre que j'ai loupé, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de monde. Ah, il remonte. Attendez, il est là-bas. On va aller le tuer tout de suite, tiens. Il ne me voit pas, je suis totalement invisible. Ne te retourne pas, ne te retourne pas. Voilà, parfait. Très bien. Donc fallait tuer tout le monde, du coup. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment enlever cette tâche. Les manières qu'il a. N'approche pas. N'approche pas. Si tu approches, casse-toi. Me touche pas, quoi. Avec tes mains dégueulasses. Mais tu ne connaîtras pas ma proposition, Mystios. Un vrai massacre du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons? Mes employés? Enfin, anciens employés. Ah, ok. Non. Donc toi, t'es plus avec le cyclope maintenant. Parce Donc, que j'ai tué tu tous ces hommes. Pour le cyclope. Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette Attends, on a tué des hommes qui n'étaient C'est pas vrai, avec le cyclope, en fait. Je ne suis pas de Kefalonia. Ok. Mais ce que je suis venu chercher... On n'était pas sûr en même temps. Si tu veux bien me suivre, Cassandra. En plus, il me connaît, super. Il est vachement louche, ce mec. On sait pas c'est qui. C'est pas un mec du cyclope avec le cyclope finalement. Bon, ça, on n'était pas sûr en même temps. Il connaît mon prénom. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Kira? Comment je connais ton nom? C'est moi! J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu n'en dis. Te connaître est dans mon intérêt.
comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Ithaque. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Quoi? Le voile de Pénélope? Le voile de Pénélope? La femme d'Ulysse? Tu plaisantes? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait... Mais Ulysse, il a vraiment existé. Non, Ulysse, c'est de la mythologie. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Mais Ulysse y croit, forcément. Ulysse n'a pas existé, on est d'accord. Ou alors je suis juste quelqu'un de totalement... Ulysse, c'est dans la mythologie, il a pas vraiment existé. C'est quoi, c'est un héros de la mythologie grecque? Il est marié à Pénélope, d'accord, donc Ulysse est marié à Pénélope. Désolé, j'y connais pas grand-chose, je suis en train de regarder en même temps. Ok, donc là, on parle de la cape de Pénélope, c'est ça? Ah si, dans la guerre de Troie. Ok. Ah non, mais il a vraiment existé en fait. Où le voile a-t-il été emporté? Ithaque n'a rien d'Anilo. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin... Trop bien! C'est un récit émouvant, tu sais, leur retrouvaille. Mais c'est quand il est revenu après toute cette aventure tellement longue. Faudrait que je lise Ulysse. En vrai, je lis très peu, mais il y a tellement de choses intéressantes dans les livres que je devrais lire. Je devrais lire tous les soirs avant de me coucher. En fait, moi, ce que je fais avant de me coucher, c'est que je regarde des vidéos, et c'est pas forcément très bon pour s'endormir. Un petit livre, lire pendant 30 minutes tous les jours, ça me ferait du bien. Bon, enfin bref, d'accord. Allez, on y va. Je le ferai. T'es trop gentil, ouais, Cassandra. Mais tu vas me payer très cher. Oh. Alors, c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudente. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Entendu. Temple de Zeus, on l'avait déjà visité. Mystios. N'échoue pas. Ah, et donc il y a une menace derrière. Donc si je réussis, tu me donnes de l'argent. Par contre, si je rate, tu me tues. C'est ça que t'es en train de me dire. Très bien, bah écoutez, nous allons essayer de récupérer la voile de Pénélope. Donc la cape. Ouais, c'est une voile, une cape. Non, la voile de Pénélope, c'est pas pareil. Une voile de bateau. Ouais, je pense que c'est ça. Ce serait bizarre. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on doit se diriger où exactement? Regardons un peu ça. C'est la suite des quêtes principales ou pas? Yes. Ok, très bien. On doit aller là-bas. Bah, prenons ce bateau. Et allons au palais d'Ulysse. C'est sympa en tout cas, du coup, Ulysse et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à voir dans la mythologie grecque. Dans un petit bateau. Dans la Grèce antique. Ce n'est pas le moment d'agacer Poséidon. C'est vrai. Bon, ça va, t'as pas grand chose à faire, à vrai dire. T'as pas grand chose à traverser comparé à ce qu'il a fait Ulysse. Alors, c'est là-bas du coup. La légende. Elle Pénor l'a pas menti. Salut! Désolé pour votre bateau. Voilà. En fait, c'était à qui le bateau? C'est pas grave. On est dans assez, on a l'habitude de voler des bateaux, des chars et tout le reste. Quoi. Je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Mais c'est ça qui est ouf. Le palais du... Mais ouais, non, mais le palais de Ulysse était vraiment à côté. Oh là, mais il y a du monde. Hey, quoi? Non, il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Je pense pas qu'il y avait autant de gardes en fait. On va faire le tour, on va passer par ici. Ok. Bon, il y a beaucoup de personnes ici. Ça va être très compliqué de tuer tout ce bordel. Je vais essayer d'être discret. Même si je pense que c'est perdu d'avance. Peut-être qu'on peut tuer lui qui est en haut d'abord. On est dans assez là. Il faut monter sur les murs. Hein. J'oublie très souvent qu'on peut monter sur les murs. Non, monte, n'aie pas peur. Parce que personne me verra là. Il y a quelqu'un en dessous, on est d'accord? Elle est où la personne en dessous? What? Il y a personne en fait? Ok. Bon, on va devoir se battre contre lui. Alors, attaque discrète et ensuite. Allez, déjà, j'ai infligé pas mal de dégâts. Tiens! Cri tu bolos! Non, appelle personne, il n'y a personne. Non! Mais attendez, laissez-le! Oh non là! Forcément, ils arrivent au bon moment. Ah, mais moi je continue à le taper.
On a foutu, je vais le terminer. Et voilà. Bah alors, il est où votre chef? Il est où votre chef? Il est plus là. Alors, c'est quoi déjà la compétence? Parce qu'on n'a pas une compétence super puissante à utiliser. Attendez, mais j'avais complètement oublié. J'ai une compétence super puissante, non? Je me rappelle plus. Alors attendez, c'est dans les commandes. Ou alors c'est juste pour utiliser mes compétences. Attendez, on va essayer un truc. Ah non, mais c'est juste pour utiliser mes compétences en fait, c'est tout. J'ai pas de sort surpuissant. Alors là on voit pas grand chose. Oh non, raté. En fait du coup je peux juste mettre des coups de pied parce que j'ai que ça. Ou tirer avec l'arc. On va essayer de les tuer à distance. Non. Allez, ça dégage. Ça dégage. Non. Pff, l'esquive au dernier moment quoi. Ouh, c'est beau ça. Salut. Laissez-moi tranquille, je vous ai rien fait. Enfin, je vous ai rien fait. J'ai quand même attaqué. Là, le palais d'Ulysse. C'est vachement protégé, hein. Bah, c'est un lieu en même temps qui doit être protégé. C'est tellement important pour eux. On les enchaîne tellement bien. Oh non, il y a un chien, ils utilisent des chiens. Ça, c'est pas cool. Salut. Là, c'était un peu trop près. Ouais, non, ça, d'utiliser aussi. Vous êtes où? J'ai vu des chèvres qui se battaient mieux que moi. Ah bon? Tiens, dégage. Allez. Bon, il y a trop de monde, je me casse, ça me saoule. Non, je suis désolé, il y a beaucoup trop de monde et je vais mourir. Regardez ma vie, j'ai plus de vie, faut que je me casse rapidement. Allez, salut, à la prochaine. Merci, merci de la visite du coup, hein. Merci de la visite pour le palais. Alors le problème c'est que je n'ai plus de bateau. Attendez, ah si, il y en a un autre là-bas. Je pense qu'on peut le voler à votre avis. Il a l'air si beau. Ouais, on va essayer de prendre ce bateau là du coup. C'est mon bateau. Bah c'était sympathique. Je me suis bien débrouillé même s'il me restait vraiment pas grand chose en vie. En vrai j'ai eu beaucoup de chance de pas mourir. Donc là on a le voile sur nous. On l'a ramassé, oui on l'a ramassé sur le mec qu'on a tué. On a bien fait d'augmenter les dégâts du coup de l'attaque. Comment s'appelle déjà? Merde. Ouais, je suis obligé de regarder, je suis tellement nul. L'attaque. L'assassinat en fait, tout simplement. Parce que ça nous permet d'infliger beaucoup plus de dégâts sur les ennemis un peu solides et qu'on ne tue pas en une fois. Ça sert surtout sur ces ennemis parce que les ennemis qu'on tue une fois, du coup, augmenter les dégâts, ça sert à rien. Hop! Et quelquefois ça fait un peu penser à Origins. Pour quelques bâtiments. Je trouve que les bâtiments, certains bâtiments font penser à Origins. Alors très, pas tous les bâtiments hein, bien entendu. Quand t'arrives sur ça là tu te dis oui bon on n'est pas trop on n'est pas trop dans l'ambiance Égypte antique. Mais les bâtiments blancs là-bas, il y en a certains qui ressemblent énormément à ceux d'Origins. Bon allez, on doit retourner du coup au temple de Zeus. On avait déjà été ici, vous vous rappelez, il y avait une femme qui nous avait demandé de récupérer un objet. C'est ici? Yes. Cassandra. Putain, hey, je suis toujours impressionné par ses muscles quoi. Bien joué. Oh. Désormais, le voile est à toi. Ouais. Je n'en veux plus. Après tout ce que j'ai fait, après tous ces efforts. J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Mystios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Mystios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Tu toucherais le double de ce que... Du coup, on va devenir une mercenaire avec lui. Ça va être uniquement des quêtes de mercenaires. Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin
que tu risquerais de ne pas revenir. Moi, je vous le dis tout de suite, je dis oui. Quand on me propose de l'argent, c'est Michto Life. Michto Life à 100% avec moi. Hein. Ça, vous l'avez compris. Vous l'avez compris, hein, dans les deux premiers épisodes, c'est Michto Life. Voilà, les grades ne sont rien à mes yeux. Les généraux sont aussi des mortels. Bien. Alors, qu'en dis-tu ? Mais bien sûr. Alors, qui est général qu'il faut tuer déjà ? Qui est ce général ? On l'appelle le loup. Et il t'a fait quelque chose ? Oui, il me coûte de l'argent. Il nuit à mes affaires. Que peux-tu me dire sur Mégaris ? Tu as des choses à me dire sur Mégaris ? Seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec, sur le plan militaire, du moins. Malheureusement, pour ses habitants, elle a deux puissants voisins assez envieux. Dans la lutte à la corde qui oppose Corinthe et Athènes, Mégaris est la corde. Bah allez, j'accepte cette tâche. J'accepte. Pas de problème. Il te faudra. Donc on va enfin quitter cette île. Tu en as un, n'est-ce pas ? Parce que là, on commence à avoir pas mal de quêtes. On doit traverser la mer pour aller sur le grand continent. En fait, il y a un grand continent. Il y a l'île de départ, là où j'ai commencé. Et après, vous avez vu qu'il y a plein de petites îles. De toute façon, les batailles navales reviennent hein, dans ce AC, ils l'avaient annoncé. Et moi, j'ai pas eu l'occasion vraiment de tester les batailles navales. Il y en avait un peu dans Origins, mais c'était pas les batailles navales de Black Flag. Et vu que j'ai pas joué à Black Flag, ça va me faire plaisir de pouvoir vraiment avoir de vraies batailles navales. Je vais lui dire, je sais pas en fait. Est-ce que j'ai un bateau ? Bah, je vole des bateaux, oui. Bah non, je n'en ai pas. Si j'avais un bateau, nous n'aurions pas cette conversation. Dommage. J'ai peur que ce ne soit un peu loin la nage, même pour toi. J'en trouverai un. Bien, j'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça ? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. Quelle guerre ? La guerre ? La guerre du Péloponnèse ? Toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger. C'est une des plus grandes guerres d'ailleurs, la guerre du Péloponnèse, une des plus grandes guerres antiques. Non, sur une île. Elle a duré assez longtemps, je crois. Alors, j'ai pas envie de dire des conneries encore une fois, je crois qu'elle a duré 30 ans. Un peu moins, peut-être 25. De toute façon, pourquoi devrais-je te faire confiance ? Ça sert à rien de poser cette question, parce que quoi qu'il arrive, nous on est là pour l'argent, on est une mercenaire avec lui, donc moi, je veux de la thune. Ouais. Je ne te décevrai pas. Une fois que je veux de l'argent. En Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Ok. Eh bien écoutez, oh, voile de Pénélope, du coup ce qu'on appelle un voile, c'est pas une cape, c'est pas une voile de bateau, c'est ce qu'on met sur la tête. D'accord. Je devrais aller voir celui qui en construit. Et voilà pour le niveau 5, c'était l'objectif de cet épisode. Le niveau 5. Alors on va directement mettre l'équipement qu'on vient de gagner. Ah, ça va être stylé, Cassandra avec un voile. Déjà on ressemble un peu plus à une assassin, même si je vous rappelle que les assassins n'existent pas encore. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, il y a une personne qui m'a dit sur Twitter que... L'Égypte antique, ça se passait avant la Grèce antique. Alors, oui, l'Égypte, c'est long, l'Égypte, hein, ça existe depuis très longtemps. Mais l'Égypte antique dans Origins, ça se passe à 30 ou 40 avant Jésus-Christ. Alors que là, ce jeu-là, la Grèce antique, se passe 400 avant Jésus-Christ. Donc en fait, oui, ce jeu est bien avant Origins, et pas l'inverse. Ça, c'est sûr, hein, j'ai vérifié, il n'y a pas de problème. Alors là, on a une lance de guerre. Elle est pas mal, cette arme. Regardez cette arme. Bon, ici on a on a plein de choses, hein. Formidable. Et ici on a débloqué autre chose. Oui, on a une ceinture de mercenaire. L'objet n'est pas bleu, mais l'objet est meilleur. Ah non, quoique, on perd 1% de dégâts d'assassin et on perd 1% de probas critique. Mais on gagne de l'armure. Ah, quoique, non, on va garder la ceinture de mercenaire pour l'instant. On a gagné également une aptitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nettoyage et affûtage offrent des bénéfices. Augmentation des dégâts de guerrier de 20%. Augmentation des dégâts de guerrier de 20%? Bah je dis oui, en fait. Si je peux augmenter les dégâts, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la vie. Alors la prochaine quête du coup. Est-ce qu'on n'essaye pas de tuer un des mercenaires? Est-ce qu'on peut voir où il se trouve? Originaire de Crète, Talos Point de Pierre. Il était connu pour éclater le visage de ses ennemis sur les flancs des montagnes. Ah mais est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'on peut savoir où il se trouve exactement? Est-ce qu'on doit le chercher sur toute la map? Ah non, il est là. Il est là, Talos Point de Pierre. Eh ben écoutez, on va terminer cet épisode en allant le tuer. Ou alors je vous réserve ça pour le prochain épisode. Je sais pas ce que je fais. J'hésite.
Ouais, on va réserver ça pour le prochain épisode, les amis. Est-ce que ça vous dit? Ouais, ça vous dit. Ouais, on va réserver ça pour le prochain épisode, les potes. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis, bien entendu, à la prochaine. On ira tuer Talos Point de Pierre. Ce qui est cool, c'est qu'on a atteint le level 5. C'était mon objectif, finalement. Et donc c'est formidable. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.